Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour un exercice de dos, le rowing halter à un bras. Donc cet exercice va principalement développer l'épaisseur de votre dos, vous apporter de l'épaisseur, donc principalement solliciter les trapèzes, les rhomboïdes, le grand rond, mais également le grand dorsal et accessoirement le biceps et les avant-bras. Donc au niveau de son exécution, vu que c'est un exercice unilatéral, vous le comprendrez bien, la première des choses, c'est déterminer par quel côté je vais commencer mon travail. Donc en l'occurrence aujourd'hui, je vais commencer par le côté droit. Donc je suis face au banc, au niveau de du positionnement. Je vais placer mon genou sur le banc. Le genou devra toujours rester à l'aplomb, d'accord, à l'aplomb de mon bassin, de ma hanche. En aucun cas, elle devra se retrouver en position arrière ou avant, d'accord, toujours à l'aplomb de mon bassin. Au niveau du placement de la main, je vois encore trop de personnes être un peu timides entre guillemets et placer leur main, voilà, juste ici, d'accord. Gardez en tête, on va le voir juste après, que un des mouvements, un des éléments clés du positionnement pour le rowing, c'est vraiment de garder ce dos vraiment le plus plat possible, d'accord. Donc pour garder, pour favoriser le maintien de ce dos plat, d'accord, n'hésitez pas à avancer votre main. Regardez, si je reste la main comme ça, ça va être difficile de le garder plat, voire même ça va m'inciter un petit peu à l'arrondir. Donc j'hésite pas, j'avance un petit peu ma main en haut du banc, ça va étirer la colonne vertébrale et ça va m'aider à garder le dos plat. Donc j'assure une prise ferme, d'accord. Au niveau de ma jambe, elle va être légèrement décalée pour me permettre de bien travailler, d'accord. On la met pas ici, décalée un petit peu en arrière, à peu près 20-30 cm du banc. On va ne pas tendre la jambe, garder toujours un petit flex au niveau du genou, ok. Donc au niveau du positionnement, on devra s'assurer de garder, ça c'est hyper important les amis, de garder durant tout l'exercice le buste parallèle au sol. En aucun cas on ne devra faire de rotation, que ce soit en phase concentrique ou en phase excentrique. Donc les épaules toujours parallèles au banc, d'accord. En aucun cas le buste ne devra faire face durant l'exercice, à un moment donné, on devra faire face au mur d'en face, c'est le cas de dire. On engage bien les abdominaux. D'ailleurs, c'est un exercice entre guillemets qui va véritablement travailler vos abdominaux et vos obliques. Pourquoi? Parce que quelque part, vous allez devoir lutter contre un déséquilibre naturel. Vous avez une charge d'un côté, pas de l'autre. Donc quelque part, le fait de maintenir le dos droit va engager, d'accord, va engager vos abdominaux et vos obliques. Donc très très bon exercice, non seulement pour le dos, mais aussi pour tout le corps, COR1, c'est-à-dire vraiment toute la ceinture abdo-oblique. Donc voilà, c'est une petite aparté. Donc, on maintient, j'allais oublier, on maintient toujours cette fameuse neutralité vertébrale, c'est-à-dire que la tête devra constamment être, les amis, dans l'alignement de la colonne vertébrale. On ne regarde pas droit devant soi, comme tu peux le voir encore, ça occasionne trop de stress au niveau des disques, d'accord. Donc neutralité, le corps, le dos est bien droit. On va effectuer une légère antéversion du bassin, une légère cambrure, n'accentuez pas, d'accord, légère cambrure, et on se rappelle, tout le buste reste parallèle au sol. Il est temps de saisir l'halter. Donc l'halter va être prise en prise neutre, c'est-à-dire paume de main face à moi. Le coude va être contre le corps, le bras tendu encore avec un petit flex au niveau du coude, on ne tend jamais complètement le bras. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous tendez le bras complètement, vous allez mettre l'épaule et votre longue portion du triceps dans une situation de stress, d'étirement trop intense, qui peut occasionner notamment pour la longue portion du triceps de légères micro-déchirures. Donc toujours garder le fameux flex. Donc voilà, je saisis l'halter. Donc en prise, marteau. Ouais, vous pouvez voir, mon dos est bien droit. Je vais décrocher légèrement l'épaule, ce qui ne veut pas dire de descendre complètement. En aucun cas, je devrais assister à ça, à de rotation de buste. Le buste est toujours parallèle au sol. On va décrocher l'épaule de sorte à pouvoir bénéficier d'un bon étirement, notamment au niveau du recrutement du grand dorsal. Et là, on va effectuer notre mouvement à proprement parler. Donc, je gagne bien au niveau des abdominaux. Le bras est légèrement, donc il a la pointe d'épaule tendu avec un petit flex. La première des choses, les amis, la première chose qui va initier le tirage, c'est le mouvement de votre épaule. C'est-à-dire que l'épaule, là, passe de la position avant à la position arrière. Et ensuite, c'est votre coude qui va monter un maximum vers le haut en effectuant quoi? En effectuant, on en a déjà parlé, une adduction de l'omoplate. Ça, c'est important, les amis.
le fait de monter l'épaule, hein, de ramener comme si vous vouliez ramener l'omoplate vers son opposé, c'est ça qui va vraiment déterminer le recrutement, notamment qui va vraiment assurer, garantir le recrutement de ces muscles que sont les rhomboïdes et les trapèzes. Donc, encore une fois, hein, comme je peux le voir trop souvent, ne pensez pas à votre main. Si vous pensez à votre main, voilà ce qui va se passer. En haut, il va y avoir aucun mouvement d'épaule et ça va se finir en mouvement de biceps. C'est ce qu'on peut voir, d'accord, assez souvent. Non, les amis, là, l'épaule est décrochetée. La première des choses, hein, l'épaule part en arrière. Regardez, je retire mon épaule vers l'arrière et ensuite, c'est mon coude. C'est mon coude qui va monter le plus haut possible. Je contracte un maximum en haut du mouvement. Je contracte une ou deux secondes et je redescends. J'inspire. Je contracte un maximum et je redescends. Regardez bien. C'est l'épaule. Voilà. Déjà, on tire derrière. Le coude qui monte. Le coude qui monte le maximum, maximum, maximum. Et je redescends. D'accord? En aucun cas, vous avez pu le voir. Hein, j'ai effectué de rotation de buste. Hein. Des personnes qui mettent beaucoup trop lourd, qui vont se retrouver à faire des choses comme ça. Voilà. Ça, les amis, c'est à proscrire. Hein. Aussi bien pour l'efficacité de votre travail que pour la santé de votre colonne vertébrale, de votre rachis. En aucun cas, il ne devrait y avoir de rotation de buste. C'est vraiment un mouvement où vous pouvez prendre des charges lourdes, hein, car en plus, la prise fait que nous sommes très forts en prise neutre. Mais restez toujours dans une logique de travail sur la sensation musculaire, d'accord? Gardez bien en tête que, je le répète, c'est l'épaule qui initie le mouvement. En aucun cas, ne pensez à votre main. C'est l'épaule et c'est le coude, d'accord? Pour les personnes qui ont du mal à faire cette... ou alors à vraiment ne pas tirer avec les bras, je vous incite à utiliser cette prise. Je vous invite tout du moins. Au lieu d'avoir une prise main pleine, vous allez décrocheter avec votre pouce vers l'extérieur, d'accord? Là. Vous allez voir que ça va... Il y a moins d'implication du biceps. Mais pensez bien à ça, les amis. Là, c'est l'épaule. Et le coude monte un maximum vers le haut, au-delà du plan dorsal, et je contracte fort, 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 et je redescends. Je monte. Et comme vous pouvez voir, hein, voilà, il y a juste un petit... l'épaule qui se décroche, d'accord, qui se détache un petit peu pour avoir un bon étirement, mais en aucun cas, il n'y a de rotation, d'accord. Voilà, c'est un très très bon exercice, hein, qui offre une amplitude de travail, qui n'offre pas un étirement à l'instar d'un tirage pouliout, d'accord, mais qui vous offre une capacité de contraction et une amplitude de travail, notamment au niveau de la face concentrique, qui est assez inégalée. C'est un très très bon exercice, mais qui doit vraiment concentrer-vous vraiment sur les sensations, d'accord? Gardez en tête, les amis, hein, lorsque vous rentrez au gym, dans une salle de sport, c'est un conseil que je vous donne, et certainement le plus important, votre ego, vous devez le laisser au placard. Quand vous venez à la salle, utilisez des charges, lourdes soit, mais qui ne doivent jamais nuire à une parfaite technique. J'aime cette expression. La charge, le poids est un moyen, en aucun cas ce n'est une fin. D'accord? Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, les amis. Voilà, donc le rowing un bras en halter, le rowing halter un bras. Donc vous allez effectuer 4 séries, 8 à 10 répétitions, temps de repos, 2 minutes de repos. D'accord? Très très bon exercice à inclure après un exercice par exemple pour la largeur. Vous faites par exemple des tractions barre fixe, prise large et du rowing un bras halter. Pour moi, déjà, vous avez les 3/4 de votre séance. Hein, vous avez déjà une très très bonne séance de dos. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, nous nous retrouvons en salle, hein, toujours pour un nouvel exercice. Cette fois-ci, ce sera un exercice pour les épaules. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bonnes séances. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. À la semaine prochaine les amis. Ciao, ciao, bye, salut.